Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. En ce début de campagne présidentielle au Congo, c'est aussi le début d'une autre campagne pour la diaspora congolaise. Un grand meeting va être organisé cet après-midi, ici, dans cet espace, à côté de Paris, du côté de Clichy. Alors, il faut le dire que depuis quelques temps, la diaspora congolaise reste attentive à l'actualité du pays. Cette actualité ponctuée par les élections présidentielles qui vont avoir lieu le 20 mars prochain. Le 4 hier a eu lieu en fait le début de cette campagne, mais vous savez que la diaspora a voulu d'abord rendre hommage aux morts du 4 mars 2012 avant de s'adonner à cette activité politique. Aujourd'hui donc 5, c'était nécessaire pour la diaspora de se retrouver en ce début des hostilités politiques au Congo, de pouvoir dire exactement quelle est aujourd'hui sa vision par rapport à cette situation. Il faut aussi vous dire, mesdames, messieurs, que cet événement a été organisé par plusieurs associations, quasiment une vingtaine d'associations et de plateformes avec des partis politiques se sont retrouvés pour vous faire vivre ces instants. Chers compatriotes, notre pays est en crise. De cette crise, nous déclinerons des crises. Des crises politiques, morales, culturelles, sociales. Et les experts économiques nous annoncent aussi une autre crise, la crise économique. Et pourtant, l'urgence est de s'affranchir de prime abord du clanisme et du régionalisme primaire, vecteur d'inégalité, d'injustice et d'indifférence. Ce qui devait être un libre choix pour le Congolais de se prononcer sur un bilan et de recueillir les projets afin de consolider ces valeurs d'unité, de travail et de progrès est devenu le lieu d'inquiétude et de désespoir, puisque nous déplorons à chaque expression populaire des morts et allongeons la liste des héros du peuple. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous sommes encore debout ce jour, 5 mars. Je vous ferai d'oublier le 5 mars, mais plutôt de retenir tout simplement mars. Mars, quand tu arrives, mon peuple tremble. Mars, tu es le mois où l'on assassine des prélats. Mars, tu es le mois où l'on assassine des présidents. Mars, tu es le mois où une poudrière s'affole et tue 350 Congolais et des milliers de déplacés. Mars, tu es aussi le mois qui affole les procureurs et séquestre les leaders politiques. Mars, tu es aussi le mois qui expulse les organismes internationaux. Mars, tu es le mois qui fait abstenir les observateurs de l'Union européenne. Mars, tu es le mois qui met la garde républicaine aux aguets. Mars, comment t'effacer de notre mémoire? Mars, comment t'acculturer? Mars, comment t'apprivoiser afin que tu deviennes décembre, mois de convivialité, et juillet, mois de détente? Mars, qu'est-ce que tu me prends la tête comme un diable? Et moi aussi, je te jure de prendre la tête tant que tu ne comprendras pas que je suis paix, justice, égalité et liberté. Ayant dit ça, chers compatriotes, merci de nous souvenir en observant en cet instant une minute de silence. Merci. Et je crois que quand on a fait ça, ce serait intéressant d'applaudir pour penser quand même aux morts de la République. La réussite de ce rassemblement est un travail d'équipe, et voilà pourquoi donc j'invite ici Sanelli. Mesdames, messieurs, chers républicains et démocrates, distingués invités, chers amis du Congo Brazzaville, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous adressons nos salutations militantes et fraternelles. Le calendrier patriotique, contextuel, une fois de plus, nous invite à assumer nos responsabilités politiques et citoyennes. L'année 2016 est particulièrement importante pour l'avenir de notre pays. Le pouvoir autocratique de Brazzaville
a confisqué la souveraineté du peuple, porté atteinte aux libertés essentielles, permis l'installation au Congo de la monarchie constitutionnelle et légitimé le despotisme en le substituant à la démocratie. Il reste néanmoins entendu que l'élection présidentielle a été convoquée sans avoir revu sur une base paritaire et au travers d'une instance paritaire et consensuelle appropriée des questions concernant le découpage électoral, le recensement administratif, le corps électoral, la commission nationale indépendante chargée d'organiser dans la transparence le scrutin relatif à l'élection présidentielle. Il va de soi que ce programme ne peut être exécuté que par l'ensemble des partis concernés, par la réhabilitation de la justice et de l'égalité des citoyens en droit, sur une base équitable, ce qui requiert la mise ensemble de nos intelligences et de nos compétences, ainsi que la nécessité d'un échange citoyen entre les différentes parties au projet. Le but ultime reste et demeure la recherche du consensus sur une base également partagée et en vue de l'apaisement. Toute démarche contraire à cela n'est qu'une volonté d'installer au Congo les conditions d'une confiscation du pouvoir. L'édition spéciale du grand meeting de la diaspora congolaise en solidarité d'action avec les forces politiques et sociales de la nation a pour enjeu essentiel le départ sans condition de M. Denis Sassou Nguesso du pouvoir. En effet, la République est en danger et les populations sont en danger. Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'édition spéciale du grand meeting de la diaspora congolaise à Paris se donne cette mission, celle de célébrer les lumières éveillées et oubliées du peuple, dans un esprit de rassemblement élargi et unitaire, de tous les courants légitimes mobilisés pour affronter et combattre le pouvoir autocratique de Brazzaville, qui humilie et maltraite le peuple, la République et la nation. Le choix du thème et le sens de cet événement au moment où notre peuple aspire plus que jamais à une alternance démocratique et apaisée, sont un signal fort que nous, acteurs de la diaspora façonnante et combattante pour la liberté, voulons donner à nos amis de l'intérieur pour leur demander de se mobiliser et de tenir bon, afin que nous disions ensemble et d'une seule voix, « Congolais, debout, Sassou doit partir ».